reconnaissance et je suis vraiment très flattée et honorée d'avoir été sélectionnée parmi tous ces beaux profils et ces beaux engagements défendus par tous ces Charentais. Alors, je suis doublement content aujourd'hui puisque on avait demandé un prix qui nous va mieux comme le développement durable. Et c'est quasiment une œuvre d'art que je vous remets là et c'est bien mérité. Donc, ce sont des fleurs. Elles sont pas faciles à butiner, celles-ci. Mais en attendant, bravo, encore bravo. Et on est super content à Qualitom d'avoir eu ce prix, de le tenir et de surtout de pouvoir le remettre à quelqu'un qui traite d'un sujet qui importe tous les Français, l'abeille. Oui, donc mes parents sont apiculteurs et agriculteurs à Aizec, en Charente, et je grandis à la campagne entourée d'abeilles. Et très vite, je me suis rendu compte que le métier d'apiculteur, c'était difficile, avec beaucoup de travail pour faire de moins en moins de miel et des abeilles en mauvaise santé. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a décidé à m'engager dans une carrière scientifique dans la protection des pollinisateurs, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et in fine aussi aider les apiculteurs qui ont du mal en ce moment. Voilà. Bravo en tout cas Colline, et bravo parce que c'est quand même brillant. Tout ça, ça relève d'études très brillantes et faire briller la Charente, c'est parfait. Et améliorer le quotidien des gens, c'est encore mieux. Merci à vous. Merci beaucoup.